Le 30, je crois. Oui, je crois qu'on est le 30. On est le 30 octobre, le vendredi. Voilà, il est actuellement à peu près 9h30. Je viens de déposer Logan à la crèche. Je cherche la télécommande de la télé. Je tourne en rond. Je viens de déposer Logan à la crèche. Alors, Logan, ça se passe super bien. Franchement, il y va volontiers. Le matin, on va à pied puisque c'est à côté de la maison. On va à pied, il va super bien, il va vraiment volontiers. Il a dit bon, au revoir, il m'a dit au revoir, il a dit bonjour aux copains. Bon, aujourd'hui, premier jour de reconfinement, il n'y avait que trois enfants. Donc, moi, ça me va parce que de toute façon, Logan, il aime bien être en petit comité, comme ça, au moins, ils peuvent bien s'occuper de lui. Pour moi, ça me va. Voilà. Alors là, hier, je ne vous ai pas vlogué parce que vraiment, trop de choses à faire pour mettre en place pour le confinement. J'avais trop de choses à faire, il fallait que je fasse des courses, il fallait que je m'organise, je suis passée voir ma mère, enfin ma mère et mon père, comme ça au moins je les vois avant, parce que je les revois plus après 4 semaines, donc je suis rentrée, c'était quand même 19h30. J'avais pas pris Logan parce que c'était trop compliqué. Je savais que j'allais revenir tard, j'avais pas envie de lui imposer un rythme, voilà. Donc du coup, bon, ils ont un peu marronné qu'ils n'ont pas vu Logan hier. Mais bon, je leur ai dit, on fera des visios. Et voilà, donc je suis quand même passée voir ma mère et mon père voilà, avant 4 semaines. Comme ça, au moins, ils étaient contents. Parce que c'est vrai que pour nous, c'est compliqué. Mais pour les personnes âgées, j'aime pas dire ça. Parce que ma mère, elle a que 68 ans, quoi. Donc on va dire que pour eux, c'est compliqué aussi. Parce que du coup, ils sont isolés. Voilà, c'est comme les jeunes, en fait. Voilà, nous, on a notre vie. Mais les jeunes de entre 12, 15 ans, aller jusqu'à ce que tous ceux qui sont au collège, au lycée, pour eux c'est compliqué parce qu'ils perçoivent ça comme un isolement. Et heureusement qu'ils ont les réseaux sociaux, je tiens à dire, même pour moi, hein. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, sinon ils seraient complètement isolés, ces pauvres jeunes. Mais bon, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. On vit une époque particulière, et puis en plus avec tout ce qui se passe, les attentats et tout, c'est très compliqué. Voilà, donc ça c'est la parenthèse noire du moment, mais bon, je suis pas là pour vous saquer le moral. Le but étant de faire des vlogs pour vous divertir et pour passer à autre chose. Franchement, c'est ça le but. Et donc, du coup, pour ce matin, ça va être un petit peu productive. Voilà, ça va être matinée productive car ben, il faut faire le ménage. Hier, je n'ai rien fait, j'ai même pas passé l'aspirateur. Je vous raconte même pas l'état du sol parce qu'avec les poils de chien, c'est une horreur. Mais en premier temps, ce que je vais faire avant toute autre chose, je dois changer aussi les draps de mon lit. Avant toute autre chose, je vais me mettre à faire les tiramisu parce que, comme vous savez, Logan a peur du robot pâtissier. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Donc, il a peur du robot pâtissier. Donc, je vais faire ça. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Et j'ai pas à le sortir quand il est là, quoi. Voilà. Donc, comme ça, moi, il n'entend pas. Et moi, je suis tranquille. Et je pense que je ne sais pas si je pourrais en donner à Dylan, vu que Dylan est à sa maison. Je sais pas. Je sais pas, vu que lui, il est confiné dans sa maison. Et moi, nous, on est ici. J'aurais voulu qu'il vienne en récupérer au moins un ou deux. Je ne sais pas si c'est faisable ou pas. Bon, enfin, on verra. Donc, du coup, moi, je vais déjà faire les tiramisu. Et après, je passerai l'aspirateur. J'ai rien fait ce matin. On s'est juste préparé. Même moi, je me suis juste lavé la tête et séché un petit peu les cheveux. Mais je ne me suis même pas maquillée. J'avais pas du tout envie. Alors, quand j'ai pas envie, je ne me force pas. J'ai juste mis deux machines. J'ai plié une machine. La Carla dort. Je pense qu'après elle va se réveiller parce qu'elle commence à 11h. Logan, aujourd'hui, il n'est plus en adaptation. Donc je peux le laisser comme je veux. Mais je ne vais pas le laisser 100 ans. Ça ne sert à rien parce que si les deux enfants ils s'en vont, il va se retrouver tout seul, il va pleurer. Donc je pense que je vais le laisser de 9h jusqu'à 11h. Donc du coup, j'ai deux bonnes heures productives. Donc allez, c'est parti.
su faire. Voilà, donc du coup, car j'en ai fait un spécial pour Carla avec beaucoup de biscuits et beaucoup de mascarpone. Parce qu'elle m'a dit qu'il m'en fait un bien comme il faut. Donc elle le prendra pour demain midi. Pour demain. Pour ce midi. Et là, j'ai mis à chauffer une omelette pour midi pour tout le monde. Parce qu'il n'y a que Jordan et moi et Logan à midi. Puisque Carla est au travail. Franck est au travail. Il a changé ses horaires. Il devait faire un truc spécial au travail. Quoi, je ne sais pas. Mais je sais qu'il n'était pas de nuit. Il était du matin. Et donc il n'est pas là. Et après il va aller directement récupérer la voiture au concessionnaire. Puisqu'aujourd'hui on récupère notre nouvelle voiture et on donne la C4. La C4 est partie ce matin parce qu'il est parti avec à 4h du matin. Donc il est parti. Donc au revoir le C4 et bonjour le Scénic. J'espère que Logan du coup appréciera cette nouvelle voiture et qu'il ne vomira plus du tout. Donc du coup on revient à nos moutons. Donc j'ai fait donc l'omelette pour midi. Voilà, j'ai déjà battu les œufs, comme ça au moins ça s'est fait. Je vais ranger le robot parce que même quand il le voit, même s'il n'entend pas, s'il le voit, il est en panique. Donc du coup j'ai tout nettoyé, je vais aller le ranger. Et je vais vite passer l'aspirateur. Et là, je viens d'appeler la crèche pour savoir si ça se passait bien. Parce que j'appelle toujours un petit peu dans la matinée vers 10h. Je vais appeler la crèche pour savoir si ça se passe bien. Enfin, j'ai appelé la crèche pour savoir si ça se passait bien. Ils m'ont dit que c'était impeccable. Donc, du coup voilà. Donc, lundi, je le laisserai 2h30. Et puis, je pense pas le laisser... plus de 2h30 les premiers temps, même si elle m'a bien précisé que je payerai quand même 3h, mais c'est pas grave, voilà, je m'en fiche, je vais pas les laisser 3h pour le moment, et après si je vois que ça va, je le laisserai plus. Voilà, je vous ai pas dit ce qu'il m'a fait ce matin, la peur de ma vie. J'étais à la douche parce que je me suis réveillée vers 6h30. Logan s'est levé vers 6h30. Donc après, il était tranquillement au fauteuil parce que je lui mets la télé pour la télé nounou pour qu'il reste en place parce que j'ai toujours peur. Donc bien sûr, les fenêtres étaient fermées, il y avait rien. Je l'ai retrouvé assis là, en train de jouer avec la bougie. Bon, la bougie, bien sûr, était éteinte, attention. Mais déjà, rien que ça, ça coupe parce que c'est... de la tôle quoi, en fait, fait du fer, donc déjà ça coupe. Il était en train de gratter la bougie et il était assis là, voilà. Il grimpe partout, c'est Yamakasi, moi je dis c'est un singe de bonobo ce petit, vraiment il grimpe partout, bon enfin, pourtant on le lui dit sans arrêt, mais c'est constant, c'est toujours, il faut répéter parce que il fait que des bêtises. Là, on regardait la table. Il a écrit, hein. Il a écrit. Alors d'habitude, je mets pas la table, mais là maintenant, je la mets parce qu'il m'écrit partout. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ça changera. Hein. Il va grandir et puis il va s'agir, on va dire. Voilà. Bon, allez, je vais vite passer l'aspirateur parce que du coup, 2h, ça va super vite. Bon voilà, nous voilà de retour de la crèche. Ben ça s'est super bien passé. Hein. Il est revenu, il est. Laisse-moi te défaire les chaussures. Ah, ben voilà, il est en forme. Carla va partir travailler, elle est prête. Ouais. Ça y est, elle a pris un petit bout d'omelette, elle s'est pris un petit peu un coca chéri. Meilleur que le coca normal. Ouais, ben j'en trouvais pas du coca chéri en canette. Donc là, du coup, elle s'est pris ça. Et mon petit tiram. Son tiramisu, bien sûr. Alors, il faut la cuillère, c'est-à-dire ça va pas... Allez, vite, il faut y aller. Oui, là, il faut y aller parce qu'il est déjà 11h15 et elle commence à 11h30 et il ne faudrait pas qu'elle soit en retard. Bon, allez, c'est reparti. Après avoir été chercher Logan, là, maintenant, on dépose Carla et puis j'ai déjà préparé la petite assiette de Logan avec sa petite bouteille d'eau. Là, je vais l'installer parce que depuis qu'il va à la crèche, depuis le changement d'heure, il a faim et puis à midi et demi, il dort. Donc, il y a Jordan, il va le surveiller pendant qu'il mange et moi, comme ça, après, je rentre et je donnerai juste le dessert. Allez, c'est parti, je pars. C'était bon, c'est Jordan qui t'a donné à manger? C'était bon? C'était bon l'omelette? T'as tout mangé, chérie?
Et oui, on mange la compote. Hein? T'es un grand garçon, hein? T'es bien, maman. Moi, j'étais en train de dire que il était couché, que je sais même plus ce que j'étais en train de vous dire. Bon, enfin bref. Donc là, on vient de finir de manger avec Jordan. On a mangé tous les deux. On a mangé l'omelette. Et je vais vous trouver. Voilà. On a mangé l'omelette. Là, je vais ranger la cuisine un petit peu. Et après, je vais me mettre sur le fauteuil et je vais répondre aux commentaires. Et commencer à monter le début de ce vlog. Et j'ai aussi tout le vlog du retour de course à faire. Je vais voir si j'ai le temps ou si le gagné d'or. Voilà. En premier, je vais quand même monter le retour de course. Et après, je me ferai le montage de celui-ci. Enfin, le début. Comme ça, après, j'aurai plus que ce soir à faire l'après-midi. Et puis la clôture, comme ça, au moins, ce soir, j'aurai moins de boulot quand Franck. Il fait pas la nuit, donc du coup c'est mieux pour moi. Voilà, je m'organise comme ça moi. Donc voilà, donc on va finir de ranger. Là je disais que Logan est au dodo depuis à peu près midi et demi. Là il est 1h15. Et puis voilà, donc je vais profiter de ces 2 heures tranquilles pour travailler. Voilà, ce matin j'ai fait tiramisu. J'ai fait l'omelette, je peux juste passer l'aspirateur et j'ai changé le lit, les draps de mon lit. Là, je dois faire le lit à Carla. J'ai tout mis en vrac dans le couloir, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, là, j'ai tout mis là par terre. J'ai tout levé et je me laverai au fur et à mesure. Là, je viens de mettre sa couverture à laver. Et je referai son lit tout à l'heure tranquillement parce que elle finit à 19h, donc j'ai le temps. Voilà. Puis je ne sais même pas si je vais pouvoir sortir du coup Logan au parc cet après-midi. Donc j'aurai le temps de faire bien le ménage. Voilà, donc Franck et doit être en chemin pour aller récupérer la voiture. Je crois qu'il m'a dit qu'il allait passer la voiture, enfin la C4, au Karcher pour la rendre parce qu'avec les cacas d'oiseaux, tout ça, c'était un petit peu sale. Donc au moins la rendre un petit peu propre. Mais il me dit, c'est vrai qu'il a raison dans ce qu'il dit, il me dit si je me fais choper en train de laver ma voiture au Karcher, on me dit mais qu'est-ce qu'il fout celui-là, on est en confinement, il a la voiture. Ben, il dit écoute, tu expliques qu'il faut que tu la rendes, que tu la donnes en reprise et que tu as rendez-vous à 14h pour la donner, pour récupérer ton nouveau véhicule, donner celle-ci. Parce qu'en fait, il finit à 1h le travail. Et il doit être au concessionnaire qu'à 2h30. Donc il a 2h30 de battement entre le fait d'être à son travail et puis le concessionnaire. Donc là, il était dans sa voiture. Il allait s'acheter un petit truc à manger. Et puis après, il allait essayer de laver un petit peu la voiture. Bon, voilà pour la parenthèse voiture. Donc ce soir, je vous la montrerai. Parce que même moi, je ne l'ai pas vu, c'est que Franck qui a été, moi je l'ai juste vu en photo. Donc ce soir, je vous la montrerai et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que ça sera plus adapté pour nous. Voilà. Bon allez, je fais tout ça et je vous reprends dans l'après-midi. Bon voilà, je vous reprends. Ben, il est à peu près 16h30. Logan, il a dormi de on va dire de 12h30 jusqu'à 16h. Voilà, il a très très bien dormi. Là, je l'ai laissé avec Franck puisque je suis descendue dans ma voiture et je suis ravie. J'ai de l'espace, la voiture est top, elle sent bon. Franck, il m'a tout remis mes trucs. Là, je suis trop contente. Je suis trop contente et tout. Donc, elle est très bien. Bon, j'adorais. Alors là, j'adore ça. Je sais pas si vous allez voir le tableau de bord comme ça. J'adore, j'adore. Et là, je vais un petit peu la conduire. Je vais aller faire un tour à Carrefour encore. Vous allez me dire encore. Avec mon attestation que j'ai téléchargée sur mon téléphone,
Je vais aller faire un petit tour à Carrefour pour voir, pour acheter parce qu'ils veulent manger ce soir les faritas. Donc comme ça au moins c'est fait. Comme ça j'ai aussi des couches à acheter. Voilà, c'est pour ça aussi que je dis je vais sortir. Et puis comme ça je teste un petit peu ma voiture. Mais je suis ravie. Je vous la montrerai un petit peu de dehors. Mais franchement, le top, regardez derrière. Logan, pour le coup, le siège auto, je pense que vous allez voir, il a de l'espace. Là derrière, il y a de l'espace parce que quand le frein qui reculait le siège, il n'y avait pas d'espace. Donc du coup, il n'y avait pas deux places en fait. Il n'y avait plus qu'une seule place avec le siège auto. Là, il y a vraiment deux bonnes places. Et bien sûr, le coffre qui est conséquent. Donc je suis ravie. Ah, du coup, regardez le coffre, il y a toute la poussette et il reste encore tout ça, il y a la place, là j'ai fait mes courses et il reste encore tout ça, il y a vraiment vraiment de la place. Là, au niveau du siège, c'est pareil, il y a vraiment de la place et puis, comme je vous disais, il y a vraiment deux bonnes places et puis il est vraiment plus en hauteur, les fenêtres sont plus larges et même quand je conduis au niveau du pare-brise c'est vraiment plus large, donc ça n'a rien 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 à voir. Voilà, je suis vraiment vraiment contente. Bon voilà, on s'est trompé, allez on repart sur de bonnes bases avec cette voiture et j'espère que ça ira. Bon voilà, je suis rentrée des courses. Bon, les gamelles par terre, Franck il a dû donner à manger au chien. Donc du coup les gamelles elles sont par terre. Donc du coup j'ai deux fois du coup. Ben j'ai pris une grosse brioche, mais vraiment très très grosse. Je sais pas si vous voyez. Vraiment très très grosse parce que Logan a mangé, tout le monde a mangé. J'ai pris ça. J'ai pris du colorant. Alors j'ai pris du rouge, du orange et du bleu. Le bleu c'est pour faire en fait demain. Comme c'est Halloween, je vais faire des sablés version Halloween avec. Je sais pas, moi, des chauves-souris. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Et du coup, je vais mettre du rouge et du jaune. Ben, ça va faire du orange. Et du bleu, je pense que le bleu, il doit être bien foncé. Ça fera du noir. Donc, demain, on va faire ça. Voilà, donc ça, je vous filmerai ça. Dans le thème d'Halloween, j'ai acheté des petites feutrines d'Halloween. Je pense que je vais mettre de la ficelle. On va faire une petite déco d'Halloween. Voilà. J'ai pris des faritas pour ce soir, donc c'est des galettes de blé, hein, voilà comme ceci. J'ai pris ça. Et ils aiment bien aussi en forme bateau, donc j'ai pris ça aussi. Donc j'ai pris deux paquets comme ça, voilà. Ils préfèrent ça, mais même moi je préfère que les galettes, du coup il n'y a pas à remettre les bords et tout ça. Donc moi je préfère. Après bien sûr j'ai pris les bonbons pour une... Alors c'est vrai que... Ici, on n'est pas une maison où on mange énormément de bonbons. J'en achète très 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 rarement. Et bon, là, je ne sais pas si les enfants ils vont venir ou pas. Je pense peut-être dans le quartier. Ils vont peut-être venir dans le quartier, je ne sais pas. Je sais pas. J'ai repris du chocolat pour savez qui? Pour Jordan, bien sûr. Là aussi, du chocolat pour Jordan. Et j'ai pris aussi de la pâte sablée brisée sans additif. En fait, ça, j'ai vu sur Pinterest, je vais faire des petits bâtonnets avec du fromage, genre cressin, pour en forme de d'os, en fait, voilà, ou en forme d'os ou en forme de doigt. Donc, je pense que demain, je vais faire ça. Donc, j'ai repris quand même des œufs, voilà. J'ai repris quand même de la floraline parce que j'en avais plus et il en restait que deux. Non, il en restait trois, je crois. J'ai demandé à un monsieur d'abord qu'il me la récupère en haut parce qu'elle était vraiment trop en hauteur. Ouh, mais c'est percé, mince. J'ai pris de la chapelure dorée qui s'est toute déversée dans le sac. Donc j'en ai pris deux. Ça c'est pour faire les faritas pour ce soir. Et j'ai pris de la salade pour les faritas pour ce soir. Et puis j'ai pris aussi de la viande hachée parce que Franck aime bien les faritas à la viande hachée. Et j'ai pris encore des œufs parce que comme ce matin je fais l'omelette, j'ai pas mal passé d'œufs. Et j'ai pris des poivrons, trio de poivrons
pour le faritas, pareil. Et j'ai pris un petit... Oh putain, plein de... De chapelure. J'ai pris un petit haut pour Logan. Il mettra en bas, il mettra n'importe quoi. Enfin, un pantalon. J'ai pris un petit haut pour Halloween pour faire les petites photos. Voilà, c'est vraiment... vraiment pour dire qui fait Halloween. Alors, j'ai payé 5€. Voilà, c'est vraiment pour dire de faire un petit truc parce qu'on va rester à la maison, on va rester entre nous. Donc voilà. Donc mais Carla m'a dit on fait quand même Halloween avec Logan. J'ai dit mais il n'y a pas de souci. Donc voilà. Bon voilà, je vous reprends. Ben, il est exactement minuit quart à peu près. Tout le monde est couché, le Franck est couché, j'ai regardé un petit peu la télé avec Franck, on a regardé la nouvelle saison de NCIS, donc j'ai profité de ma soirée avec Franck, Franck est parti se coucher, Logan il dort, tout le monde dort en fait, pas que Logan, Jordan il dort, Carla elle dort. Demain, personne ne travaille, Carla ne travaille pas, Jordan bon, il ne travaille pas puisqu'il est étudiant. Et Franck ne travaille pas, donc du coup on va profiter de cette journée... ensemble, on va faire une petite déco sympa d'Halloween et on va faire un petit goûter d'Halloween tranquille. Voilà, donc une journée, on devait partir à Primark, mais bon, on devait aller à Primark et aller manger au restaurant pour notre dernière. On pensait que le confinement en fait il débuterait. Je vous vois pas beaucoup, je vais essayer de vous allumer un petit peu quand même. Voilà. Je pensais que le confinement allait être samedi, donc on avait dit on profitera de samedi midi quoi en fait. Et en fait pas du tout, il a commencé directement vendredi matin, donc jeudi soir. Donc voilà, donc là on a mangé les faritas ce soir, c'était très très bon. Du coup on n'a même pas pu manger les tiramisu parce que ben, c'était de trop, donc du coup on mangera dans la semaine. Oh my God. Les mangera dans la semaine, c'est pas un souci. Voilà, donc moi j'avais commencé à monter le vlog dans l'après-midi. Heureusement, ça m'a bien avancé. Donc j'ai eu juste à finaliser ce que j'ai filmé de la voiture et puis tout ça. Et puis il me manquera juste aussi à mettre cette clôture là. Voilà. Et puis voilà, donc demain vous aurez un vlog Disney comme c'était prévu parce qu'il en reste encore 3 vlogs Disney. Et vous aurez aussi ce vlog, donc demain vous aurez 2 vlogs, un le matin et un en fin d'après-midi. Voilà. Et puis après vous filmerez aussi la journée de samedi, et peut-être la journée de dimanche, je ne sais pas, je verrai selon mon humeur. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager, c'est important. Et toujours mettre le petit commentaire qui fait plaisir. Et puis voilà, puis je vous dis à demain pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Ciao, ciao.